Chaque année, la mutualité française Picardie organise dans les crèches et les écoles primaires l'opération Caribou afin de sensibiliser les tout-petits à l'hygiène bucco-dentaire. Un enfant mange beaucoup de choses assez sucrées quand il est tout petit et malheureusement, ça engendre des caries énormes qui peuvent faire très mal comme les dents d'adultes. Alors le brossage se démarre très tôt, à partir de 2 ans quand on peut. Et c'est une technique simplifiée pour les enfants de 2 ans à 6 ans. Après, la technique change un tout petit peu avec les dents d'adultes qui arrivent après. Pour qu'un enfant accepte de se brosser les dents régulièrement, il faut que ce soit un jeu. Donc au début, on le laisse faire. Après, le père ou la mère doit compléter ce brossage pour qu'il soit plus efficace. Alors, qui veut essayer ? Toi ? Alors, on commence par le bas, devant, comme ça. Voilà. Et après, on fait comment ? Sur le côté. Super. Et après, on fait le haut, devant. Voilà. Et qui c'est qui se brosse bien les dents comme ça ? Moi. Tout le monde ? C'est super. Donc, on va faire des tout petits groupes et on va aller essayer de se brosser les dents. D'accord ? Vous allez me montrer comment vous faites ? Donc, on ouvre grand la bouche. On ouvre très grand la bouche, voilà. Et on brosse les dents en bas. Juste celle-là, dans le fond. Très bien. Oh, vous êtes super grand. Et après, alors qu'est-ce qu'on fait ? On brosse. On brosse bien et puis on rince sa brosse à dents. On rince la tête de la brosse à dents. Super. C'est difficile de faire passer un message de prévention ou de santé en général à un enfant sous une forme qui ne soit pas ludique. Il y avait un atelier avec des petites cartes à mettre dans un ordre qui retrace en fait la journée d'un petit personnage, donc pour qu'ils arrivent à assimiler qu'on se brosse les dents le matin et le soir. Il y avait un troisième atelier coloriage où les enfants devaient colorier uniquement les images permettant une bonne hygiène bucco-dentaire. Et le dernier atelier, c'était une pêche à la ligne où les deux enfants devaient trier les objets pêchés, soit dans un panier bleu quand ça avait un rapport avec les dents, soit dans un panier rouge quand ça n'en avait pas. Donc quand le parent a un enfant qui se plaint d'avoir mal aux dents, je pense que le premier réflexe, c'est de l'emmener voir le dentiste, vu que quand l'enfant ressent une douleur sur les dents, c'est que la carie est déjà à un stade un peu plus avancé. Il est donc conseillé d'emmener son enfant tous les 6 mois chez le dentiste et bien sûr de l'aider à se brosser les dents 2 fois par jour. Pour participer aux rencontres santé, rendez-vous sur le site www.prioritésantémutualiste.fr. Pour voir ou revoir les films des rencontres santé, cliquez sur les logos YouTube ou Facebook.